encore ces taches de raisin. Il n'y a rien à faire. On a beau frotter, faire tremper. Oh! À croire qu'il y a eu une tornade. Oh, attendez que je vous attrape, mes petits voyous. Tiens, tiens. Amusant. Mais je crois que ceci m'appartient. Alors si cela ne te dérange pas trop. Oh. Allez, va-t'en. Va, rentre chez toi. Va rejoindre ta famille. Oh. Mais veux-tu lâcher ça? Qu'est-ce qu'elle t'a fait, ma jupe, hein, petit polisseau? Dis donc, tu n'as que la peau sur les os, toi. Oh. Tu n'es qu'un chaton, un joli petit chaton. Tu as perdu ta maman? Oh, tu cherches une maison? Oh, qui aurait le cœur de résister à un gentil petit léopard comme toi? Vous feriez mieux d'abandonner tout de suite. Vous n'arriverez jamais à me battre, les gars. Attention, Tonton, on pourrait bien te surprendre un de ces jours. Hey, regardez ce que j'ai trouvé, les costauds. Je suis pas un paillasson. Oh, pitié, faites-le partir. Dites-moi que c'est un cauchemar. Au secours, aidez-moi, un monstre. Qu'est-ce que vous avez, bande de froussards? Ce n'est qu'un bébé. Madame Tarzan, comprenez-moi, il se trouve que j'ai le cœur très fragile. Dites donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette agitation? J'ai trouvé ce petit dans la jungle. Un léopard? Jane, les léopards chassent les gorilles. Ils sont très dangereux. Les léopards adultes sont dangereux, mais celui-ci est inoffensif. Regardez-le. Je ne savais pas quoi faire. Je n'allais pas le laisser tout seul quand même. Je sais ce que c'est. Un jour aussi, j'ai trouvé quelqu'un qui était tout seul. C'est de Tarzan qu'elle parle, c'est ça, hein? Oh. Il faut avouer que il est plutôt craquant. Miaou, miaou. Ben quoi? Oh. Peut-être qu'on pourrait le garder avec nous. Ouais. On lui apprendra à être un gorille. Gorille. Moi, je pourrais utiliser ma trompe pour le bercer. Attendez, moi, je vais vous prédire ce qui va arriver, moi. Ce joli petit museau mangera l'un d'entre nous un de ces jours et je... Moi, je refuse de... Oh, non, de m'attendrir. Oh, ah, trop tard. Viens par ici, Mouchou, j'ai des projets pour toi. Tata Toc va t'apprendre à cueillir les bananes. On ira au... Jane! À toi, Jay. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Tu sais ce que Tarzan pense des léopards? Ils sont pas très copains. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Je me charge de le faire changer d'avis. En attendant, je vous le confie, d'accord? Tarzan? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Un léopard. Jane, va soigner les blessures de Tarzan. On s'occupe du reste, sois tranquille. Bon, très bien. Excellente idée. À plus tard. Oh! Non, attends. Ça n'a pas l'air trop grave. Ce sont seulement de petites égratignures. Attention, ça va piquer légèrement. J'y suis allée trop fort. Non.
es sûr que ça ne te fait pas trop mal? Tarzan! Oui. Oh, pardon, mon chéri. Tu sais, je me disais que nous avions vraiment beaucoup d'amis ici dans la jungle. Et des amis de plein de races différentes. Des gorilles, des éléphants, des babouins. Et je me demandais aussi si tu n'aurais pas envie d'un ami léopard? Un léopard? Pour ami, tu dis? Oh, excellente idée. Et pourquoi pas un python et un ou deux crocodiles? Ah oui, des crocodiles. Très, très drôles. Jane, les léopards ne sont pas nos amis. Oh, ça alors, c'est fou. Tu vois ce que je vois? Un joli bébé léopard. C'est vraiment une coïncidence extraordinaire, non? Ou disons une coïncidence fâcheuse? C'est un léopard, et les léopards sont dangereux. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire de lui? Le laisser dans la jungle. Tu sais très bien qu'il ne survivra pas une journée tout seul dans la jungle. Et si on l'amenait à d'autres léopards? Non, c'est beaucoup trop dangereux. Il nous tuerait. Oui, Tarzan a raison. Tout le monde sait qu'un léopard ne peut pas changer ses moustures. Ils ont essayé? Non, c'est une expression, Tarzan, qui signifie qu'un animal ne peut pas changer sa nature. D'accord, j'ai compris. Un léopard ne peut pas changer ses moustures. Et ce sont des tueurs. C'est exact, c'est une question de génétique. Ce petit deviendra inévitablement cruel. Mais arrête, mon lacet, hein? Qu'est-ce que j'étais en train de dire là? Ah oui, et ce petit deviendra inévitablement cruel et... Oh, cruel et violent. Oh, arrête, petit coquin, non. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Ce petit monstre est adorable, nous devons le garder, hein? Oh, tu es tout mignon, toi. Ah oui, oui, oui. Pourquoi aider un léopard? Un léopard ne nous aiderait jamais, lui. Tarzan, tu devrais comprendre mieux que quiconque la situation de ce chaton. N'oublie pas ce que Kala a fait pour toi. Elle a donné sa chance à un petit orphelin. S'il te plaît, Tarzan. Je lui laisse une chance. Bravo, mon petit gars! Bienvenue dans notre grande famille. Regardez cette petite bouboule, elle est mignonne comme tout. Bouboule? C'est pas un nom, bouboule. Avec sa jolie fourrure, on pourrait l'appeler Peluchon. Peluchon? J'ai dit on pourrait, t'es sourd? Vous êtes sûr, ça ne vous dérange pas de le garder? Non, au contraire. Merci les amis, je crois que Tarzan va devenir fou s'il ne s'éloigne pas un peu de ce chaos. Ne vous inquiétez surtout pas, Madame Tarzan. Et amusez-vous bien tous les deux. J'ai trouvé! Flocon. Il est léger comme un flocon. Pourquoi tu dis toujours « il » quand tu parles d'elle? J'en sais rien. C'est peut-être parce que... c'est un garçon. T'es aveugle ou quoi? Avec ce petit museau et ses grands yeux d'ange, c'est forcément une fille. Une fille, c'est pas forcément une petite chose toute douce. Certaines sont comme moi. Grande, forte et bien sûr très jolie. T'es une fille? Fais attention à ce que tu dis ou je te... Où est-ce qu'il est? Elle était là il y a une seconde. Flocon! Flocon! T'es où, mon petit gars? Bouboule! Madame Tarzan va nous secouer les puces. Je crois que nous l'avons retrouvée. Oh. Viens par ici, petit vaurien. J'ai pas du tout envie d'avoir des ennuis avec les... babouins. Tu seras en sécurité là-haut. Suis-moi. Non! Vite!
réfugier à la maison. Tantor, envoie-moi le bout de chou. Bien joué. Maintenant, Minus, faut se barricader. Allez-y, vous pouvez toujours cogner. Ah. Ouf, je crois que cette fois, on est... On est bien là, tout est absolument parfait. Le coucher de soleil, le vent qui nous caresse et la jolie vue sur notre maison couverte de babouins. De babouins? Allez, Ous, du balai! Oh, j'ai l'impression que ça s'arrange pas. Tu vas rire, je vais tout expliquer. Je t'assure, Tarzan, ce qui s'est passé est absolument incroyable. Ils nous sont tombés dessus, ils nous ont attaqués sans qu'on les ait provoqués. Il faut nous pardonner, on manque un peu d'expérience avec les bouboules. Je ne vous reproche rien. C'est sa faute, à lui. Il ne savait pas. Jane, un léopard ne peut pas changer ses mouchetures. Il doit s'en aller. Bonjour, petite crapule. Oh, votre nid. Je suis désolée, Kala. Non, ce n'est rien. C'est aussi facile à construire qu'à démolir. Vous savez, pour être honnête, je crois que j'ai fait une erreur. Une grosse erreur, oui. Mais je ne supporte pas l'idée de l'abandonner tout seul dans la jungle. Je comprends. C'est exactement ce que j'ai ressenti pour Tarzan. La situation est bien différente. J'ai eu tort. Où est la différence? Tu t'inquiètes pour ce petit? Et tu veux l'aider? Oh, Kala. Qu'est-ce que je dois faire? Voyons. S'il y avait eu d'autres humains dans la jungle quand j'ai trouvé Tarzan, je l'aurais ramené jusqu'à eux. Bonjour, Tarzan. Je viens voir si je peux être utile. Alors, peut-être que j'aurais dû prendre mes outils, non? Merci, j'ai fini. Oh, oui, je vois, oui, j'ai grimpé jusqu'ici pour rien. Au fait, vous savez où est Jane? J'ai quelque chose à lui demander. Je croyais qu'elle était avec vous. Mais non, je ne l'ai pas vue de la journée, d'ailleurs. Mais il faut dire aussi que c'est grand ici, avec toutes ces feuilles. C'est vrai, en effet, avec toute cette verdure. J'ai une bonne nouvelle. Ça n'a pas été facile, mais le coin des gorilles est tout propre, tout beau. Ça, c'est la force Tantor, ma petite. Vous avez vu Jane? Jane? Je crois bien qu'elle est partie avec Kala et le prince papate de peluche. Le prince papate de peluche? Eh oui, le chaton, ça sonne bien. Vous croyez ce que je crois? Il faut les retrouver. Si on ne retrouve pas sa mère, est-ce qu'une autre maman léopard voudra s'occuper de lui? Je n'en sais rien, je l'espère. Ce qui est très curieux, c'est qu'on n'a pas encore croisé un seul léopard. On aurait déjà dû en voir? Oh oui, on est au beau milieu de leur territoire. Kala? Je crois que nous les avons trouvés. Non. Ils nous ont trouvés. Parfait.
J'ai déjà affronté des fauves et j'ai survécu, alors aujourd'hui, ça ne sera pas différent. Eh, regardez, ce petit chou s'est perdu et on est venu vous le rendre. Oh! Puisque cette affaire est réglée, nous allons vous laisser. Si vous le permettez. Au fait, je tenais à vous dire que les jours que j'ai passés dans la jungle sont les plus beaux jours de ma vie. Enfin, excepté celui-ci. Jane, attrape! C'est sa mère, vous croyez? Oui, elle vient nous aider. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça, alors? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que nous devrions partir, maintenant. Parfait, alors n'abusons pas de sa gentillesse. Allez-y, vite! Les yeux. J'étais la meilleure plongeuse de mon école de jeune fille. Pas mal du tout. Alors, monsieur le roi de la jungle, qu'est-ce que vous allez nous faire? Alors, ta note? Derrière moi. Fausse alerte. C'est elle. Elle? Ah! Quoi?
Et c'est toi qui disais qu'un léopard ne change pas ses mouchetures? C'est la vérité. Mais les léopards sont peut-être plus compliqués que je le croyais. Oui, donc tu avais... Attends, c'est quoi le mot que je cherche déjà? Ah oui, tu avais tort. Tu les avais mal jugés. Oui, j'avais tort. Il y a toujours un enseignement à tirer de ces erreurs. Et si on te trouvait un nom plus simple, mon petit prince papa de peluche ?